Verset premier, donc je ne sais pas si euh, tu peux nous le lire, David, donc sur euh, l'écran qui est à côté, comme c'est la version euh, actualisée. Alors Matthieu 24, verset premier, comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Mais Jésus leur dit Voyez-vous bien toutes ces choses Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. Puis s'étant assis sur la montagne des oliviers, ses disciples vinrent à lui, en particulier, et lui dirent. Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge. Et Jésus répondant leur dit Prenez garde que personne ne vous égare. Voilà, on s'arrête là deux secondes. Euh, voilà, donc prenez garde que personne ne vous égare. Voilà, donc ça c'est le thème un peu de cette, cette exhortation de ce soir. Donc prenez garde que personne ne vous égare. Pourquoi Parce que il ben, y a beaucoup de gens qui veulent nous égarer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de situations qui veulent nous sortir du droit chemin. Alors égarer ici. Il vient de Planao, hein, du grec Planao, qui veut dire sortir de la vérité, s'éloigner du chemin de la, de la droiture et euh, du chemin de la vie. Et vous savez, les Écritures nous parlent de deux chemins seulement. Voilà. Donc il euh, y a le chemin qui conduit à la vie et celui qui conduit bien sûr à la damnation, à la mort, à la perdition éternelle. Et euh, qu'on soit croyant ou pas, on mourra tous. On va tous mourir. Voilà. S'il y a une réalité à laquelle personne ne peut euh, se dérober. Ben c'est bien celle de la mort. Voilà. Donc, ça, c'est le chemin. Il y a le chemin de la mort, il y a aussi celui de la vie. Donc, voilà les deux chemins qui sont, bien sûr, euh, l'un à côté de l'autre. Alors, euh, ceux qui sont sur le chemin du Seigneur, bien sûr, sont en permanence, comme vous le savez, agressés, euh, attaqués. Tant verbalement qu'au qu niveau de la, de la pensée, tout ça. Et euh, voilà. Vous savez, de la naissance à la mort, nous subissons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent nous décourager des propos des personnes parfois proches qui peuvent nous blesser et euh, au travail, à l'école, tout ça. Et euh, voilà Donc on peut véritablement, si on fait pas attention, on peut réellement s'éloigner du Seigneur, se décourager et se dire, bon, moi, allez, c'est fini, je ne veux plus entendre parler de Dieu, tout ça. Et euh, voilà, donc l'ennemi de nos âmes, qui existe bel et bien, hein, parce qu'il y en a qui croient que certains n'existaient pas, il existe et il nous attaque, il nous attaque et euh, il se sert parfois des personnes proches. Pour nous sortir du chemin. Il peut se servir d'une belle femme pour égarer un homme marié, pour juste détruire son couple, sa famille. Il peut se servir d'un homme beau pour séduire une femme et la détruire. Voilà le monde, comment il est fait. Et l'argent également, qui est souvent utilisé pour détruire des gens. Des vies sont détruites, des familles sont brisées, tout ça parce qu'il y a l'amour de l'argent, la cupidité, tout ça. Donc, l'être humain est en permanence sollicité par toutes sortes de choses, des désirs, des pensées, des passions, tout ça. Et. Et il doit veiller à ce que ses pieds restent dans le droit chemin. Et ce n'est pas, pas toujours facile. Donc, ici, le Seigneur sort du temple. Et, euh, et puis, euh, il va s'asseoir sur, euh, sur le mont des Oliviers, donc juste en face du temple. Et on nous dit que ses disciples vont euh, aller chez lui, auprès de lui, pour lui poser cette question. Voilà. Et, euh, trois questions précisément. D'abord, le Seigneur leur dit écoutez. Euh, D'abord, les disciples font voir la beauté de cet édifice. Alors, d'après les historiens, ce temple est, euh, a été restauré par euh, Hérode le Grand, donc il a mis euh, apparemment 46 ans pour le faire. Et sur sa façade, il y avait de l'or. Voilà. Donc de loin, ce temple brillait. C'était d'ailleurs, d'après les historiens, c'était euh, ce temple était euh, l'une de sept merveilles hein, du monde. Et euh, il faisait la fierté ce temple des Juifs. Il était l'épicentre. Du judaïsme antique et euh, les douze tribus se retrouvaient à Jérusalem pour adorer Yahweh lors des trois fêtes de pèlerinage, lors de la fête de la Pâque, la Pentecôte et des, des, la fête de, des tabernacles. Donc, c'était une fierté nationale. Et voilà que ici, le Seigneur va dire que ce temple va être détruit. Waouh Et vous savez que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a été arrêté, c'était parce qu'il avait dit que ce temple serait détruit. Alors. Le Seigneur annonce la destruction du temple, donc la fin du judaïsme antique, la fin de la cohésion nationale. En gros, la fin de l'existence même d'Israël en tant qu'État, en tant que nation. Rappelez-vous bien que cette nation était une nation théocratique. Dieu était leur roi. Et leur constitution était la Torah. C'était la Torah. Alors là, le Seigneur dit, tout ça, ça va changer. Alors les apôtres vont lui poser la question, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il Et nous savons, donc pour répondre à cette première question, première question rapidement, qu'en l'an 66, après Jésus-Christ, des Grecs qui vivaient à Jérusalem vont sacrifier un oiseau dans une synagogue. Il y en avait plusieurs dans l'une des synagogues de Jérusalem. Alors c'était un acte abominable. Cela va provoquer la colère n'est-ce pas, des, euh, des juifs extrémistes, et euh, donc les zolotes, notamment, et ils vont commencer à se révolter contre l'occupant, donc la Rome impériale, donc les Romains, César. Et cette, euh, euh, comment dire, euh, cette révolte va durer quatre ans, jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ. Alors là, Selon les historiens, les historiens toujours, l'empereur romain Vespasien va envoyer son fils Titus, qui est à l'époque un général, pour mater la rébellion. Et il arrive à Jérusalem, donc Titus, avec une forte armée, une grande armée romaine. Et un soldat romain, par mégarde, va faire tomber, n'est-ce pas, une torche sur le rideau du temple. Et il va y avoir un incendie terrible. Et l'or, qui était sur la façade, va commencer à suinter, à couler. Et. Cet or va rentrer dans les interstices du temple, les interstices, et pour pouvoir récupérer cet or, les soldats romains vont effectivement démonter cet édifice pierre par pierre, confirmant ainsi la prophétie du Seigneur Yeshua, le Messie. Donc là, ben Israël, en l'an 110, n'avait plus de temple, et pour la première fois de l'histoire de ce, ce peuple, les Juifs vont se retrouver dans le monde entier, dans tous les pays du monde entier. Donc il va y avoir une dispersion massive des Hébreux. Et euh, ils vont se retrouver en Afrique, ils vont se retrouver en Inde, en Chine, partout. Et là, c'était la réponse à la première question des apôtres. Quand est-ce que le temple sera détruit Et la deuxième question, c'est Seigneur, quel sera, n'est-ce pas, le signe de ton avènement Alors, l'avènement du Seigneur, bien sûr, euh, nous parle de, de, de ce retour pré, comme invisible hein, du Seigneur. Pour mettre fin à la zizanie, à la confusion généralisée, pour mettre fin à toutes ces guerres, à tous ces troubles. Parce que beaucoup de gens se disent si Dieu existe, pourquoi permet-il autant de troubles, autant de guerres Voilà. Donc, je me rappelle une, une fois, j'avais partagé la, la parole à un homme, à long il y a peut-être 16 ans de cela. Cet homme me dira Mais, si Dieu existe, pourquoi permet-il à ce, ce qu'une jeune fille devant moi se fasse écraser par un, par un véhicule Alors je lui pose la question euh, ce véhicule, qui l'a fabriqué qu'il a construit, Dieu ou les hommes? Il me dit ce sont les, sont les hommes. Je dis, mais ce n'est pas Dieu qu'il faut blâmer, ce sont les hommes. Donc vous voyez, et euh, donc Dieu a arrêté un jour où il va intervenir ouvertement dans les affaires humaines des hommes, où il va mettre la fin à toutes ces lois anti, n'est-ce pas, anti, anti Dieu, anti Christ, Des lois qui, qui autorisent des guerres, des tueries, n'est-ce pas, et, euh, des massacres, des viols? Et euh, donc le Seigneur va intervenir. Et nous croyons, d'après les événements mondiaux actuels, hein, qui ont été prédits par le Seigneur, par les prophètes dans la Bible, nous croyons, d'après ces, 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 ces événements, que le Seigneur n'est plus loin. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, d'abord sur le plan climatique, on voit bien que même la Terre souffre. Voilà, donc euh, la nature éprouve les douleurs de l'enfantement. Voilà, donc il euh, y a de plus en plus de tsunamis, comme vous le savez, de plus en plus de tremblements de terre. Hein, euh, voilà, euh, et, euh, et bientôt la terre, selon les, les, les scientifiques, sera une espèce, espèce d'étuve. Hein, donc euh, on va tous cramer là-dedans. Et euh, on voit bien que ça ne va pas. Voilà, et euh, sur le plan, et, euh, bien sûr, euh, familial, on voit bien que la souche familiale est détruite. Voilà, on ne sait plus qui est qui. Et c'est terrible des hommes qui ne sont plus, comment dire, responsables, des femmes qui ne sont plus responsables, et euh, des parents qui vont violer leurs propres enfants. Et, euh, mais c'est terrible, nous sommes dans un monde, excusez-moi, mais un monde de fous. Le monde est devenu malade, les humains sont devenus malades. Ils ont perdu leur humanité. Voilà, tout ça pourquoi Pour des, un bout de papier qu'on appelle argent, hein, monnaie, et euh, pour un bout de métal, vous voyez pour des feuilles avec de l'encre dessus, avec des numéros, des chiffres, tout ça. Et à cause de ça, ben, l'homme s'entretue, l'homme tue, tue son, pro son prochain. Voilà, donc il y a de plus en plus des malades, des gens qui sont censés être responsables, des dirigeants qui sont censés être exemplaires et qui vont malheureusement se comporter comme des bourreaux. Hein, euh, voilà, voilà le monde dans lequel nous sommes. Voilà, donc, euh, et euh, ça ne va pas. Quand on voit ce qui se passe avec euh, euh, tous ces migrants qui arrivent en Europe, tout ce qui se passe dans leur pays d'origine, toutes ces guerres qui sont fomentées par des multinationales, vous voyez, pour exproprier toutes ces, tous ces villageois, récupérant c'est leur terre, parce qu'il y a de l'or, il y a des, 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 des pierres précieuses, vous voyez, et euh, ça va pas, le monde est complètement, euh, les gens sont devenus de plus en plus fous. Donc tout ce qui se passe dans le monde nous atteste que le Seigneur n'est plus loin. Et l'avenir du Seigneur, justement, c'est cette, cette période. Et euh, où et euh, il cette période où le Seigneur va venir avec ses anges, où il va en fait juger les dirigeants des nations sur leur mauvaise gestion euh, du monde, tout simplement. Et euh, nous le croyons, nous croyons que c'est vraiment le, le cas. Vous savez, avec l'évangile que nous prêchons, nous rencontrons toutes sortes de personnes, des généraux, des colonels, des hommes euh, de toutes sortes, des ministres. À qui on apporte la parole. Et la plupart de ces gens nous disent, ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà. Vous vous rendez compte qu'il y a des coins de, du globe hein, où des enfants de deux ans n'ont pas à manger, où ils mangent, comme en Haïti, certains enfants mangent de l'argile. De l'argile. Et euh, le monde, l'homme est devenu de plus en plus égoïste. Il amasse, il amasse, il amasse, il amasse, il amasse, il amasse pour, <laughs> pour aller où avec Vous voyez il va laisser tout ça pour des personnes qui n'ont même pas souffert et qui vont dilapider toute cette richesse acquise pendant des années dans la souffrance. Voilà la vanité de la vie. C'est quand même incroyable. Vous avez vu ce bébé qui, euh, qui, est, qui vient de naître, sans dents, sans dent, sans cheveux, euh, qui porte qui est nu, qui est venu au monde nu, qui porte des couches, qui va apprendre à marcher à quatre pattes. Il va essayer de se lever, marcher avec ses deux jambes. Il va se gameler, il va se blesser. Il va à la maternelle, arriver là-bas. Qu'est-ce qui va se passer Il va commencer à être formaté comme, n'est-ce pas <laughs> comme, un, comme une espèce de disquette, hein Et formaté. On va le préparer à recevoir une éducation programmée. Vous Voyez, non Pour être comment dire un pion dans ce système, dans un système organisé, mis en place bien avant sa naissance. Et donc, il va, arriver à un primaire, il va aller en primaire, au euh, collège, le lycée, la fac, et il va être sanctionné hein, avec un diplôme, un bout de papier, vous voyez. Voilà. Et, euh, et puis, il va être en costard et cravate, il va commencer à se dire « Dieu n'existait pas ».« Non, mais je ne crois pas en Dieu ». Vous savez pourquoi Parce qu'il eh y a eu des philosophes avant lui qui ont beaucoup raisonné, beaucoup réfléchi et qui ont, qui ont écrit des livres, sur Dieu, sur la métaphysique, sur plein de choses sur la nature, sur la création ils vont commencer à se dire non mais en fait Dieu n'existait pas et cet enfant, ce bébé il est tellement intelligent il est tellement riche qu'il n'a pas le temps de se, de se préoccuper de son devenir, de son âme sa vie après la mort parce qu'on lui a fait croire qu'il n'y a rien après la mort et un jour il va s'apercevoir que il perd ses cheveux il revient à l'enfance il perd ses dents eh ben, cet enfant va avoir une incontinence urinaire. Il lui faut des couches comme quand il était bébé. Ce monsieur, plutôt, je dirais. Et puis un jour, ben, il va se rendre compte que qu'il ben, est devenu un légume. Voilà. Et puis il meurt. Il laisse ses beaux bâtiments, ses jets privés, ses comptes en banque, qui n'ont pas pu le sauver de la mort, le soigner de cette maladie incurable. Vous voyez? Tout est vanité. Alors, l'avènement du Seigneur justement, c'est cette période où Dieu va revenir pour établir sur terre son royaume millénaire. Alors, la troisième question que les apôtres ont posée au Seigneur quel sera le signe, n'est-ce pas, de ton avènement et de la fin du monde On va dire l'achèvement de l'âge, de l'âge. Quel âge Il est question ici de des de, 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 de dispensations, donc des temps. Que Dieu a arrêté hein, depuis la création du monde et euh, durant lequel, bien sûr, Il, il va inter intervenir. Alors, on nous parle ici de l'achèvement de l'âge ou encore de la fin du siècle présent. Quel siècle De quel siècle parle-t-on ici De quel âge De quel temps De quelle dispensation De quelle époque ben, Il est question, bien sûr, de l'époque appelée le temps du règne du péché. C'est-à-dire de la chute d'Adam au retour visible du Messie. Vous voyez ce temps-là, compris entre la chute d'Adam et le retour du Messie, eh bien, ce temps-là, c'est le temps du règne du péché ou de la mort. Donc, les hommes qui vivent entre ce temps-là, dans ce temps-là, sont pressés, compressés, oppressés par le temps. C'est-à-dire, le temps étant linéaire, ces hommes et ces femmes en fait, naissent dans ce temps-là, dans ce laps de temps. Ils sont obligés de grandir, et de vieillir, et de mourir. Et il y a toutes sortes d'atrocités qui sont perpétrées, qui sont commises, tout ça, là, par les humains pendant ce temps-là. Le racisme, tout ça, les guerres, les troubles, l'hypocrisie, la méchanceté, l'égoïsme, tout ça. Les riches veulent toujours être riches, les pauvres sont de plus en plus écrasés. Vous voyez Alors, on est fatigué de ce temps-là. Et les apôtres demandent au Seigneur, ben justement, quand est-ce que tu vas intervenir Parce que nous sommes fatigués. Fatigués. Il y en a un qui se suicident, mais il ne faut pas le faire parce que ce n'est pas une bonne chose, sinon on se retrouve en bas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi la solution Le Seigneur a dit, ben, écoutez, prenez justement garde que, personne, prenez garde que personne ne vous égare. Que personne ne vous égare. Et. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'un enfant vient au monde, il se retrouve devant deux possibilités, deux réalités. La vie d'un côté et la mort de l'autre. Je parle de la vie éternelle. Le bien et le mal. Le jour et la nuit. La vérité et le mensonge. Et nous avons des choix. Des décisions à prendre. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de choses et beaucoup de gens qui peuvent nous égarer. Nous sortir de la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Vous savez, un chrétien, je voulais d'abord parler au chrétien, est une personne qui a été touchée par le Seigneur, à qui le Seigneur a confié des trésors. Et cette personne-là, donc chrétienne notamment, et en permanence, l'objet d'attaques de l'ennemi, de jalousie de la part de certaines personnes. Et en permanence, cette personne qui a ses trésors, trésors du Seigneur, hein, qui peuvent être parfois fragiles, est attaquée, agressée. Et elle doit constamment protéger ce que Dieu lui a confié. Et ce n'est pas toujours facile. Il y en a qui tombent et qui perdent tout. Et euh, donc la vie est, est une est une course. D'ailleurs, selon les scientifiques, lorsque un homme et une femme vont ensemble, vous comprenez, il y a plus de 50 milliards de spermatozoïdes qui sont libérés. Vous vous imaginez La course s'engage, il y a une course. Et tous tous ces milliards de spermatozoïdes cherchent à atteindre l'ovule. Et l'ovule, qu'est-ce qu'il fait bah, Il sécrète un liquide très, très toxique qui tue les spermatozoïdes et alors il faut slalomer voyez au milieu de toutes ces attaques parmi toutes ces attaques ces agressions et le premier qui attend le vul tout ça là eh ben il va forcer sa paroi une fois qu'il qu est dedans et eh ben il la ferme de sorte que personne ne puisse y accéder et c'est toi et moi qui avons atteint notre premier but et voilà pourquoi nous sommes nés. Mais le combat, la course ne s'arrête pas là. À la naissance, on va se rendre compte que ah, ça ne va pas le monde, euh, va mal. J'aime souvent dire vous savez quand un enfant vient au monde, tout le monde s'attend à ce qu'il crie. Hein Personne ne s'attend à ce qu'il rigole, à ce qu'il rit. Hein un bébé qui rit, tout le monde se dirait se poser des questions. Alors il a crié Alors bien sûr les médecins nous disent c'est parce que ses poumons sont remplis d'air, donc comme ça brûle, l'enfant pleure, ça fait mal. En fait, moi, je pense aussi qu'il y a une autre explication à cela. Cet enfant dans le ventre n'avait aucun problème avec le chômage. Aucun problème avec le voisinage, avec les maladies qui existent. Personne ne l'embêtait. Il était là, il, il mangeait à l'œil, vous voyez <laughs> Donc, il, il n'avait aucun souci. Pas de problème de, oh, de chauffage, d'hiver, de manteau, cravate, tout ce que vous voulez. Rien Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant fasse à la naissance quand il reçoit, en un clin d'œil, toutes ces informations? Il ne peut que, le pauvre, pleurer. Voilà. Parce qu'il s'aperçoit que, des... là, le, le véritable combat commence. Voilà. Il faut faire attention, il faut veiller à ce que les moustiques ne te piquent pas parce qu'avec leur malaria, avec leur paludisme, tout ça, il y a tellement de choses. Et cet enfant-là s'aperçoit que, oula! Il aura une vie remplie de problèmes de combat. Parce que selon les Écritures, la durée d'une vie est de 70 ans. Et pour les plus robustes, c'est 80 ans. Et ceux qui vont au-delà ont vraiment, euh, euh, on va dire, de la chance, une grâce, plutôt, je dirais. Alors imaginez, pendant 70 ans, vous aurez à subir toutes sortes d'agressions, des pensées, de découragement, du genre, « T'es pas beau, t'es pas belle, tu ne vois rien, t'es nul, t'es naze. » Ça, c'est déjà au niveau de la tête. Sans compter les propos que l'on peut entendre ici et là. C'est dur. La vie, elle est, elle est difficile, elle est dure. Alors, quand on est chrétien, on est encore plus attaqué. Parce que, vous savez, quand on parle du Seigneur Yeshua aujourd'hui, quand on dit Jésus, oh, toutes ces sectes. Attention aux sectes. Attention, attention aux sectes. Mais par contre, ceux qui sont dans les vrais sectes, là, on ne parle pas trop de deux. Hein, voyez Alors... C'est la secte des costards, là, tu sais, les gens qui sont, voilà, qui sont, euh, voilà, qui, bref, on se comprend. Donc, mes amis, c'est pas facile. Alors, il faut faire attention, il faut veiller, il faut veiller, il faut veiller. Il faut... Combien de frères, combien de couples ne sont-ils pas détruits aujourd'hui? Bon, j'ai des témoignages des gens qui, qui viennent nous voir pour pleurer. Des frères qui viennent pour dire frère, écoute, prie pour moi parce que voilà, ça fait dix ans qu'on est mariés, mon épouse et moi, on a des enfants, tout ça, tout va bien, mais un jour, voilà, au travail, une collègue a débarqué de nulle part, et puis depuis, eh ben, j'ai du mal à dormir. Et puis bon, on l'a invité chez nous, et puis depuis, ben, on sort ensemble, je trompe ma femme, mais elle ne le sait pas encore. Et ben, tout est, j'ai tout perdu. Je n'arrive plus à prier et je sens que Dieu m'a abandonné. Il y, a, il, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous, nous, nous éloigner de ce, de ce chemin de la vérité. Donc il faut vraiment veiller. On va prendre un passage justement dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1er. Donc 2 Pierre chapitre 2, au verset 1er. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes de perdition. Et reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Alors là, on parle d'abord des faux prophètes qui viennent pour nous perdre. Alors, quand on entend un faux prophète, du... beaucoup de gens se disent, forcément, c'est dans les églises. Hein. Et un prophète, c'est quelqu'un qui parle, qui hein, euh, c'est un messager, tout simplement. Vous savez que certains journalistes aujourd'hui sont comme des prophètes. Hein. Ah bah oui. Bah oui. Vous savez, souvent, on a de la désinformation. Hein. Voilà, quand on nous dit, voilà, c'est les informations, on va nous parler de quelqu'un qui mange son camembert quelque part. Où est la fin de l'information dans tout ça, là, mes amis là. Vous voyez un peu là La désinformation. Et quand on allume les chaînes qui sont soi-disant censées nous informer, on s'aperçoit que ben, c'est le, le, les mêmes infos qui tournent en boucle. Donc c'est du. Vous voyez hein Ce n'est pas seulement en France, mais c'est partout. Hein Donc voilà, on nous donne à, à voir seulement les choses qu'il désire. Enfin, ce sont les prophètes modernes hein, qui, qui nous orientent. Hein nous, nous, nous. Voilà, nous guide. À part les prophètes, bien sûr, des églises. Hein, donc, il y en a, voilà, il y en a plein, aussi bien certains journalistes que certains pasteurs, certains chrétiens, certains religieux et euh, tout ça, ou des gens qui viennent pour nous proposer toutes sortes de méthodes euh, en vue de nous guérir, hein, pour nous guérir de nos maladies. Hein, donc, euh, voilà. Donc, il y a vraiment des gens qui viennent et qui nous parlent euh, de la part de certaines entités certains dieux pour pouvoir nous guérir, nous soigner. Donc le Seigneur nous demande ici de veiller, de veiller. Voyez. Et, euh, et euh, Paul, Pierre dit ici que ce sont des gens qui ont, en parlant des faux prophètes chez les chrétiens, qui ont renié, qui renié le Seigneur, qui les a achetés hein, et qui attirent sur eux une perdition soudaine. Et regardez le verset 2. Et beaucoup les suivront dans leur perdition et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Et beaucoup donc ça veut dire que beaucoup de gens suivent ces hommes et ces femmes qui les égarent, qui les amènent non à Dieu, mais qui ne, le, ils ne leur présentent pas forcément le Seigneur, mais ils, ils parlent de leurs propres affaires. Voilà. Et euh, vous savez, souvent les gens se font manipuler, dépouiller, euh, égarer, parce qu'ils sont en manque, parce qu'ils sont dans la souffrance, ils sont en souffrance. Et ils ont besoin de l'aide, ils ont besoin d'aide, et ils se font manipuler. Et il y en a qui dépensent beaucoup d'argent. Voilà, euh, voilà, auprès de ces, ces, ces gens qui leur promettent des, des, des miracles, tout ça. Et, euh, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont dépourvus de toutes sortes de, 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 de besoins, d'aide, tout ça, et euh, d'écoute parfois. Et Paul continue, Pierre, pardon, il dit par cupidité, voilà leur mobile. Voilà, leur, euh, voilà, donc par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, des paroles. Parce qu'on veut entendre, l'être humain veut entendre des choses. C'est qu'on soit chrétien ou pas, qui n'aime pas les belles paroles. Voilà. On connaît bien l'histoire euh, du corbeau et du maître renard. Hein voilà. Donc euh, cette fable, tout ça là. Donc on sait bien que le, les corbeaux ne sont pas beaux. Hein voilà. Le renard voulait juste prendre son, 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 voilà, son, fromage. Et puis il commence à lui faire des belles, belles choses, une belle chanson. T'es beau. Oh là, là qu'est-ce que t'as des beaux yeux, tout ça. Et puis l'autre à qui on n'a jamais dit ça. Et euh, voilà, il se dit, bah tiens, bah, quelqu'un au moins qui pense à moi, il ouvre ça dans son bec, il a oublié qu'il avait, euh, tu vois, son fromage, le fromage dans son bec. Et l'autre, il a pris, oh, il commence à lui dire, t'as vu comment t'es là? Vous voyez? Donc, tout le monde veut entendre des belles, de belles choses, David. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention parce que Satan vient avec des belles paroles. Voilà! t'es beau, t'as des beaux yeux, oh t'es bien, t'es beau, tout ça, là, même si t'es petit comme nous autres, là tu mesures 1m70, je sais pas quoi, 69 on te dit t'es grand, oh là là, enfin <laughs> Et là les épaules automatiquement, tac, <laughs> voilà l'orgueil. On est comme ça, on est comme de la pâte, vous voyez, les belles paroles, en fait les écritures nous disent que les... la parole est comme, est... la parole vient de, de Rouac. Hein donc c'est l'air, c'est le vent, c'est la laine. Vous voyez, ce sont des paroles comme de... du vent, voilà. Pff, comme un ballon, voilà qu'on gonfle, qu'on gonfle, et puis bon, on prend, on prend voilà, de la hauteur et euh, on commence à se prendre pour, pour quelqu'un. Et là, le Seigneur dit, bah, justement, ils vont venir nous soutenir avec des belles paroles. Des belles paroles. Et c'est ce que le monde nous présente, des belles paroles. On ne veut pas entendre des paroles du genre, si tu meurs dans le péché, eh ben, tu vas en enfer. Ah non, 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 il ne faut pas choquer les gens. Vous savez, il faut quand même l'intelligence, il faut quand même la sagesse, vous comprenez, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il est aussi juste. Voilà. Si l'on si ne vous dit pas que si vous mourrez dans le péché, vous allez vivre pendant l'éternité, mes amis, dans un lac de feu, même si les gens ne veulent pas l'entendre, il faut quand même qu'ils l'écoutent, il faut leur dire. Parce qu'il y a une vie après la mort. Bien évidemment, il y a une vie, effectivement. Et euh, des paroles trompeuses, donc, bah voilà, cette parole qui est trafiquée, et euh, qui est falsifiée, qui, qui fait du bien. Et euh, alors là. Comme ils veulent se faire de l'argent, donc ils ont besoin justement de vous donner des belles, belles, belles choses pour pouvoir vous soutirer un peu votre sou, il faut faire, faire vraiment très, très attention. Alors regardez au verset, et à, à partir du verset 10, et qu'est-ce que la parole nous dit verset, verset 11 Alors que des anges, bien qu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent pas contre elles du jugement blasphématoire devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des bêtes dépourvues de raison, gouvernés par leurs instincts naturels, c'est terrible, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, et recevront alors la récompense de leur injustice. Ils trouvent leur plaisir dans une vie de luxe en plein jour. Ça c'est terrible, c'est notre génération, le hein, luxe, le luxe. Ce sont des tâches et des suures ils vivent dans le luxe et dans leur propre tromperie quand ils prennent. Part à vos festins. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Et ça, c'est notre génération. Hein, et incapables d'arrêter de pécher. Ils attrapent avec un appât les âmes instables. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné le droit chemin, voilà, c'est ça. Abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Donc, il y a la voie de Dieu. C'est de la vérité. Et la, la voix de Balaam, le faux prophète que Dieu a frappé, voilà, parce qu'il il aimait beaucoup l'argent, fils de Bozor, qui aimait le salaire de l'injustice, mais il fut repris pour sa transgression, car une ânesse muette, parlant d'une voix humaine, arrêta la folie du prophète. Et, euh, et regardez le verset, le verset euh, euh, 18 Car en prononçant des discours enflés et dépourvus de vérité et de convenance, ils attrapent avec un appât par leur désir de la chair et par leur luxure sans bride ceux qui ont en réalité échappé aux gens qui vivent dans l'égarement. Waouh Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car on est esclave de celui par qui on est vaincu. En effet... Si après avoir échappé au sûr du monde par la connaissance précise et correcte du Seigneur et sauvé Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par elle, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Mais ce qu'on dit par un proverbe véritable, l'heure est arrivée. Le chien est retourné à son propre vomissement et la truie lavée est retournée, se vautrait dans le bourbier. Voilà, notre génération, c'est ça. Les gens se vautrent dans leur bourbier, dans toutes sortes de, de vomissements, tout ça là, et ils trouvent ça normal, normal, voilà, la corruption. Et euh, nous sommes dans un, dans un monde tellement, mes amis, euh, et, euh, riche euh, sur le plan technologique, sur le plan scientifique. Vous voyez, même sur le plan religieux, notre génération est, euh, est la seule au monde à avoir connu autant de versions de la Bible autant de versions de la Bible. Il y a tellement de versions, il y a tellement de dictionnaires bibliques, il y a tellement de dénominations chrétiennes. En tout dans le monde, il y en a à peu, à peu près euh, 30 000. C'est énorme. Mais pourtant, c'est la pire de toutes les générations. Les époques. C'est la, la pire. Vous, vous vous rendez compte que vous avez, des, même en France, des gens qui n'ont pas à manger, alors qu'il y a des tonnes et des tonnes de denrées alimentaires qui sont jetées. Voilà, comment peut-on expliquer cela Et euh, nous avons dépassé de loin la bestialité. Même des animaux, hein, euh, les animaux, je dirais plutôt en général, sont plus humains, alors que ce sont des bêtes que les humains. Parce que les animaux, quand ils tuent, c'est pour s'alimenter, c'est pour se nourrir. Mais les hommes, les hommes vont tuer pour leur plaisir, par plaisir. Ils tuent. Ils tuent. Comment vous pouvez expliquer cela, mes amis où vont-ils avec tous ces milliards? Notre génération connaît le plus, euh, 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 le plus grand nombre de milliardaires. Mais ils font quoi avec Avec tous ces milliards Alors qu'on a juste besoin d'un peu pour pouvoir vivre normalement parce que nous avons une vie très courte sur Terre. On va où avec tout cet argent? On aurait pu faire du bien à ces gens qui dorment dehors, qui sont, qui sont à la rue, ces hommes et ces femmes qui sont. Qui étaient des médecins, qui étaient avocats, qui étaient, je ne sais pas, des euh, commerciaux et qui se retrouvent du jour au lendemain, voilà, dans la rue. Ils ont tout perdu. Voilà. Voilà notre génération. Et euh, parfois, j'ai lu des commentaires sur, des, sur, sur le net, hein, sur des décès, des, 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 des massacres, des tueries, tout ça, des gens. Mais tu vois, des gens, ils sont sans cœur. Vous voyez Et euh, ils se délectent de la souffrance des autres. Une mère qui vient de perdre son enfant, et puis tu as des gens qui te disent bah tiens, c'est bien, bien fait pour lui, c'est bien, bien fait pour cet enfant. Comment vous expliquer cela? Voilà notre génération, avec toute cette technologie, avec tous ces scientifiques, nous sommes, excusez moi, les plus bêtes de ceux qui nous ont de tous ceux qui nous ont précédés. Parce que même ce qu'on appelle l'homme du je ne sais pas quoi, là, nos ancêtres, on va dire, ceux qui n'avaient ni courant, ni avion, ni journaux, ni TGV, ni ils s'entraidaient. Vous voyez Il y avait du troc, ils partageaient. Aujourd'hui, <laughs> vous vous rendez compte, on est tellement lobotomisé, tellement formaté, qu'on est fier d'avoir des cartes bleues. On dit cartes bleues, cartes bancaires. On dit non. J'ai euh, 6 000 euros sur le compte, c'est mon argent. Parce je vais vous dire que ce n'est pas votre argent. Allez avec votre carte bleue, allez retirer 6 000 euros comme ça. Pourtant, sur votre compte, on dit, non, non, l'argent y est. Hein. Mais pour le retirer, là-bas, vous dit non, 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 il faut prendre rendez-vous d'abord, madame, monsieur. Mais oui, mais j'ai la carte bleue. Hein, mais vous êtes plafonné, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, vous êtes contrôlé. Oh non, nous sommes libres. La démocratie, quelle démocratie, mes amis <laughs> hein? On vous enfume, on nous enfume. Hmm? Seigneur, sauve-nous. Pourtant, ce sont des diplômés, hein? ils ont bac plus 40, hein? bac plus 15, mais hein? ils ne comprennent toujours pas qu'ils sont... <laughs> sont contrôlés. Hmm? Seigneur, sauve-nous. Et quand on leur parle de Jésus, ils disent non, non, Dieu n'existe pas. Et ils, cro... ils se croient libres. Hein? Oh, non, Nous sommes libres. On est libres. Es libre. T'es libre. Tu n'es pas libre, mon coco. Là. Voilà. Donc, euh, voilà le monde, comment, comment il est organisé. Pour finir, hein, le monde est organisé, comme vous le savez, en pyramide. Voilà. Vous prenez un billet de un, un dollar, vous savez, hein, vous avez déjà vu. Vous avez une pyramide et vous avez au-dessus un pyramidion, voilà, une petite pyramide qui s'est détachée du reste du corps. Ce sont, voilà, c'est l'élite. Voilà. L'élite. L'Alliance Club, Rotary Club, Ekanka, Franc-Maçonnerie, Mass... voilà, tout ça là. L'élite. Alors... Euh, et euh, dedans, ben vous avez des, des banquiers, vous avez les, gens, les assureurs, vous avez de tout. Hein, donc, et qui gèrent le monde. Hein, donc, c'est un pyramide. Hein, donc, il faut contrôler les gens. Voilà, et puis, il y, y a des gens qui sont tout en bas de l'échelle, voilà, qui sont là. Et, euh, et, puis, et puis, voilà. Donc, et ceux qui sont tout en haut, là-bas, savent qu'il y a une autre vie après là. Ils le savent parce qu'ils parlent avec le baphomé, c'est-à-dire le diable. Ils savent bien que le diable existe, que Dieu existe. Ils le savent parce qu'ils ils font des sorties astrales. Ils font des expériences, de la méditation transcendantale, du yoga, de la kundalini. Ils savent qu'il y a une vie après la mort. Ils savent qu'il y, il y, il y a un autre monde. Un monde parallèle, c'est-à-dire un monde des esprits. Et les Écritures le disent. Voilà. Il y a tellement de choses qui peuvent nous séduire. L'argent peut séduire les gens. Le matériel peut séduire les gens. Voilà cet homme qui, n'est-ce pas, va travailler dur pour économiser. Pourquoi Parce qu'il veut s'acheter une belle voiture. C'est bien. Mais il ne se rend pas compte que cette voiture sera demain hein son cercueil. Voilà. Ça tombe. Tout est vanité. Et on se glorifie de quoi Du matériel De la tôle De la fibre de verre Voilà. Avec un tout petit peu de, un peu de peinture dessus Voilà. Et l'homme devient orgueilleux. Il roule dedans. Il met la musique à fond. Et il se croit intelligent. Il ne réalise pas qu'il est comme un ver de terre. Vous voyez cette fourmi là Regardez un peu ces fourmis par, euh, au sol, mes amis. J'aime bien se prendre cette image-là. Ces fourmis qui, vous le voyez Il y en a qui portent deux, trois, quatre fois plus que leur poids pour amasser, 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 amasser. Et puis un jour, voilà, la fourmi euh, A qui va amasser toute la journée, elle va, travailler, elle va travailler dur. Et le soir, voilà, Jacques qui passe par là et n'a pas vu cette, cette fourmi. Et puis il écrase. Et tout ce que cette fourmi a amassé, qui va en profiter? Eh ben, c'est ce que l'homme est. On n'est pas mieux que les fourmis. On n'est pas plus fort que les fourmis, que le ver de terre. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, c'est si le Seigneur revient, où irai je Je ne vous parle pas d'une religion. Je ne vous dis pas, venez prier avec moi. Non. Nous ne vous prêchons pas les églises. Nous ne vous prêchons pas les hommes. Aucune religion ne peut vous sauver. Aucune. D'ailleurs, comme vous le savez certainement, la religion, les religions viennent des hommes. Voilà. Il y en a qui vont vous dire, il faut prier en direction de tel, tel endroit. Et, bien, les, et ceux qui n'ont pas le sens d'orientation, ils font comment vous voyez C'est pour nous montrer, mes amis, que la religion ne sauve personne. Nous vous prêchons, nous vous parlons de quelqu'un. Jésus a dit, dans Jean 14, 6, je suis le chemin. La vérité est la vie. Voilà le chemin qu'il faut choisir. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il dit je suis le chemin. Le chemin de la vie, il n'y en a qu'un. Vous allez me dire mais oui mais Jésus Jésus. Mais oui, Jésus c'est le dieu de la religion catholique. Non. L'Église catholique et romaine ne vient pas de Dieu. Ça peut vous choquer. Vous avez vu Jésus-Christ dans une pape, dans une papa mobile? Non. Vous avez vu Jésus-Christ dans une soutane? Dans un château? Non. Il était avec les pauvres. Il était avec des prostituées pour leur prêcher la vie, pour les sauver. Vous voyez Et aux riches, il leur disait Vendez tout et suivez-moi. Vendez tout et donnez tout ça aux pauvres. Où Il n'a jamais dit aux riches euh, Donnez la dîme, vous aurez encore plus d'argent. Donnez les offrandes, vous serez euh, encore milliardaires. oh non, au contraire, il leur disait Vendez tout Suivez-moi et à pied, en plus. C'est-à-dire, vendez vos charrettes, parce qu'à l'époque, c'était, <laughs> vous voyez, hein, les chevaux. Vendez tout Venez, marche avec moi. Prenez les sandales, là. Allez, à pied. Vous allez avoir les ampoules dans les pieds, là. Allez, on va marcher. Il y a les riches, à chaque fois, ils disent, Ouh là 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 là. Cette parole est dure, qui peut l'entendre? Je suis le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur a dit. Nul ne vient au Père que par moi. C'est fort, hein? Alors, il y en a plein qui viennent et qui se présentent comme des, je sais pas, euh, comme des, des, des gens apportant la vérité. Vous voyez, Bouddha est venu 600 ans avant Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, en tant que Dieu, il a toujours été là. Bien avant Bouddha. Mais en tant qu'homme, oui, il est venu 600 ans après. Alors, il a essayé d'atteindre le Nirvana. Mais le problème, c'est qu'il est resté figé. Quand vous voyez les statues de Bouddha, ça ne bouge pas. Mais Jésus, qui est notre Dieu, est esprit. Le chemin, ce n'est pas Chora qui vous parle. Non, moi-même, je suis Jésus. Je suis en train de le suivre, je veux dire. Voilà. Ici, suivre. Ici, c'est pas, c'est pas, c'est pas, quand je dis je suis, ce n'est pas le verbe être. C'est le verbe suivre. Voilà. Je marche après Jésus. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le plus grand Dieu. Il est le Dieu de Dieu. Je ne vous parle pas de Jésus-Christ, petit, enfant, tout ça. Non. Ni celui qui est resté sur la croix. Non. Celui qui est vivant. Qui a dit que personne ne vous égare et pour ne pas être égaré, vous avez besoin j'ai besoin de rester avec le Seigneur Yeshua. Lui seul peut nous garder, n'est-ce pas, sur le chemin de la vérité. Sur la voie, dans la bonne voie. Lui seul, pas, pas un autre un autre homme. Je ne vous dis pas de faire je sais pas un pèlerinage quelque part. Non 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 non, ce n'est pas ça l'évangile. Je ne vous dis pas non plus venez prier avec moi dans mon église. église je n'ai pas d'église, je n'ai pas d'église. Nous sommes, mes amis, tous en train de suivre le Seigneur. Je parle de ceux et celles qui se réclament du Seigneur. C'est lui le chemin. Et si nos hommes politiques pouvaient le reconnaître, il n'y aurait pas autant de bavures, autant d'hypocrisie, euh, d'égoïsme, tout ça, autant de problèmes, autant de guerres. Je vous assure. Vous savez que Dieu, dans son amour, nous a donné tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre paisiblement. Je vous assure. La terre est assez riche pour pouvoir nourrir. Ces milliards d'individus. Comment vous pouvez expliquer que, comment peut-on comprendre que 80% de la richesse du monde soit gérée par 5% de la population du monde? C'est hallucinant. Vous voyez? Tout ça, c'est quoi? C'est l'égoïsme. Voilà. On amasse, on amasse, on amasse. Et le Seigneur dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Il dit, il dit, large est le chemin. Large est le chemin. Et euh, donc, spacieux est le chemin, large est la porte, qui conduisent à la mort, et beaucoup passent par là. Vous voyez, la facilité, vous savez Nous sommes dans une génération où tous les, les gens veulent avoir les choses facilement. Vous savez, le prêt-à-porter, le McDrive, tout ça, et euh, je claque et j'ai. Vous voyez La facilité, quoi. Et, euh, et beaucoup passent par ce chemin-là, le chemin de la religion, vous voyez voilà, la religion. Les gens se disent Dieu n'existe pas ou d'autres encore. Oui, il existe, mais moi, je préfère passer de, 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 par un prêtre. Je, je préfère avoir un pasteur tout, toujours avec moi. Non, Dieu veut que tu sois responsable. Dieu veut que tu, 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 tu aies une relation directe avec lui, sans passer par les hommes. Voilà. Et tu peux l'invoquer chez toi. Et Dieu est Esprit. Il peut et il, il est capable de se révéler à toi. Mets de côté un peu tout ce que tu as reçu comme formatage, comme éducation. Mets de côté un peu tout ce qu'on t'a appris à l'école, tout ça sur Dieu, sur vous voyez, le cycle de lumière, tout ça, machin, les, les philosophes. Parce qu'il y a même beaucoup de philosophes comme Darwin, qui disait que l'homme descend du singe, et à la fin de sa, de sa vie, avant de mourir, il a regardé, mes amis, euh, euh, le coucher du soleil, et il s'est dit, sur son lit, son lit des morts, hein, est mort, il se dit clairement, il a dit J'ai induit des millions de gens en, en erreur alors que Dieu existe. Voilà. Un autre philosophe français, je crois que c'est Voltaire, si je ne me trompe pas, disait 100 ans après ma mort, il disait Après ma mort, la Bible va disparaître. 100 ans après sa mort, sa propre maison est devenue une maison d'édition de la Bible. <laughs> L'humour de Dieu. Vous voyez Donc, c'est pour vous montrer que tout est vanité. Tout est vanité. Et un philosophe grec disait Je crois que c'est Sénèque, disait Pour contrôler un peuple, il faut contrôler sa musique. Vous voyez donc, avec la musique, le rap pour certains, le rock pour d'autres, tout ça. Euh, 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 vous voyez, des messages subliminaux. Voilà. Et les gens se euh, euh, On est quelqu'un, tout ça là. T'es à rien. Rien. Ta connaissance vient de ce que les Illuminati ont bien voulu te donner. Parce que tu as suivi leur formatage. C'est tout. Maintenant, Dieu vient, Jésus vient, il dit Moi, je veux vous donner une autre révélation, une autre connaissance. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais la Bible a été écrite par les hommes. Oui, oui. Dieu a utilisé les hommes pour écrire ce livre. Mais ce que ce livre dit, on le voit se réaliser aujourd'hui. On le voit se réaliser. Ce livre a annoncé beaucoup de choses, comme la création de l'État d'Israël. Des années avant, les prophètes ont annoncé, même avant Yeshua, avant Jésus-Christ, que Israël... Euh, N'existerait plus en tant qu'État, et des, quelques temps après, Dieu, n'est-ce pas, susciterait cette, cette, cet État de ses de, de, de cendres. Et le 14 mai 48, effectivement, en moins d'une demi-heure, l'ONU a, a décrété, a reconnu qu'Israël était à part, désormais un État à part entière, en moins d'une heure. Selon la prophétie, confirmant c'est la prophétie des 66, au verset 7, où Dieu disait Une nation peut-elle naître en un, en un jour, en un instant c'était une prophétie qui a été libérée au 8e siècle avant Jésus-Christ, 800 ans avant Jésus-Christ. Waouh, Seigneur! Beaucoup de choses, toutes les choses que ce livre a, a annoncées, la plupart sont accomplies. Dans le passé, d'autres s'accomplissent présentement et d'autres le seront demain, notamment en ce qui concerne le retour de Yeshua, en ce qui concerne la vie après la mort, l'enfer et le lac de feu pour l'éternité, pour ceux et celles qui ne veulent plus du Seigneur, qui ont cho choisi le chemin de la facilité. De la corruption, du racisme, de l'orgueil, n'est-ce pas, de la sorcellerie, de, de, de toutes ces pratiques, n'est-ce pas, que Dieu dénonce dans les Écritures. Et la vie éternelle pour ceux et celles qui choisissent Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous garde, mes amis. Prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous égare, ne vous sorte du chemin de la vérité. Vous avez une intimité avec le Seigneur Gardez-la. Méditez la parole du Seigneur. Faites confiance à Dieu. Faites-lui confiance. Parlez à Dieu avec vos propres mots. Ne vous laissez pas impressionner par les gens, par des chrétiens ou des gens qui veulent vous impressionner avec des dons spirituels, tout ça, les miracles. Non, marchez simplement avec le Seigneur. Faites-lui confiance. Demandez conseil au Seigneur. Demandez conseil aussi aux frères et sœurs, aux aînés de la foi. Et, euh, mais gardez, gardez votre relation avec le Seigneur Yeshua. Il revient. Il revient. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire dans toute la vérité. De gloire en gloire, de victoire en victoire. Prenons tous garde les temps sont compliqués, il y aura de plus en plus de troubles, de plus en plus de guerres, comme le Seigneur l'a annoncé. Et euh, mes amis, que le Seigneur nous garde. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous demain 19h30, heure de Paris, pour une nouvelle émission. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Restons sur le chemin. Mes amis, que Dieu vous garde. À demain, heure de Paris. Merci à l'équipe technique. À tantôt comme disent les belges et surtout le premier le premier rendez- vous demain on en parlera un peu plus hein, du 1er septembre donc samedi prochain pour la sortie qu'on organise au revoir